2019 du département du Puy-de-Dôme et la numéro 28. Oh voilà pour 28. Alors à chaud. Merci, c'est notre parisienne. C'est notre première parisienne. On les fait naître, nous. Allez. Bonjour Roger. Merci Roger. Allez. Merci tout le monde. Merci Gloria. Bien. C'était dur, hein. C'était dur le verdict. Hein. Bon, un bon entraînement là. Ah oui, c'est bon, il est fait. Amenez les chuter. Allez. En appel, les gars. 100% élevage a été récompensé. Oui, très bien. Oui, il faut pas tout vouloir. Faut pas tout vouloir. Il faut bien partager. Mais ça fait plaisir parce que j'achète aucune jument à l'extérieur, aucune. Uniquement un cheval tous les 4 ans, environ. On fait avec ce qu'on fait naître. Et je pense que l'élevage, ça commence par ça. Quoi. Tu mérites. Et le tissu, le déplacement, tout ce qui s'ensuit. Oui. Surtout le tissu, la Côtoise a bien meilleur tissu que l'autre. Et dans les déplacements. Et là, la Bretonne est une bonne pouliche aussi. C'est plus facile quand on fait un championnat qu'avec une race. Si on pouvait sortir tout de suite, c'est pas vrai. J'ai peur en spirale. Faut être jeune comme vous là pour faire ça là. Oui. 80. 80 l'année prochaine les gars. On a choisi la numéro 46. La Bretonne. Oh. Voilà pour lui. Allez, applaudissez. Donnez aux jeunes. La pression est montée un petit à petit, on l'a vu là. Ah oui, ça monte. C'est bon. Voilà. Gagnant pour ce palmarès
2019, championnat adulte. Ben, je suis super content parce que c'est la première fois qu'on gagne un prix d'ensemble comme ça. Alors, voilà. C'est une des meilleures récompenses d'ailleurs, surtout quand on n'a jamais eu l'occasion de le gagner. Voilà. Ouais. Je suis très, très content. J'ai une bonne pensée pour mon père qui adorait ça. Et j'ai chaud au cœur et j'embrasse très fort. Il est plus parmi nous, mais voilà, c'était un prix du cheval et ça, il a donné beaucoup de. Comme Lulu, c'était un copain à Lulu et il a donné beaucoup aussi pour ces journées-là et j'ai une grande pensée à lui.